Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Syndicate. Nous sommes avec Evie. Alors j'essaie de me rappeler ce qu'on a fait la dernière fois parce que j'ai pas mal de choses auxquelles je dois penser en ce moment. Ah bah déjà, on va penser à dire bonjour à ces messieurs. Voilà, on va commencer l'épisode avec une petite bagarre. Bon, certes c'est Jacob hein, qui souvent se bat, mais bon là Evie a bien le droit de se défouler un tout petit peu. Et le policier, ah bah le policier bah il est là, il est là. Bah donc on va le tuer. Désolé monsieur, c'était pas contre vous, vous étiez simplement là et j'avais besoin de me défouler. Pas sûr qu'il... Ah, attendez, il y a quelque chose. Ah. Effrayer les brutes, aucun problème. Ah bah c'est comme ça qu'on les effraie, je suis débile aussi. Allez, filez. Filez. Allez, hop. Voilà. Oh non mais... Ouais, ils sont very sorry, hein. c'est bien, je l'espère bien. Parfait, donc, est-ce qu'on a des points de compétences à dépenser? Il ne me semble pas, non. On n'a pas assez d'argent pour s'acheter des armes plus performantes, j'imagine, donc ça tombe bien. Alors, j'ai un timing un petit peu serré ce week-end, hein. J'ai pris un petit peu de retard voilà, pour enregistrer mes vidéos, donc cet épisode sera peut-être un peu plus court que prévu. Donc il y a une mission principale ici avec Jacob, recherche et développement, d'accord. On peut avoir une canne épée toute neuve. Alors reste à savoir si elle sera plus efficace que celle qu'on a maintenant, puisque celle qu'on a maintenant, je crois que c'est celle de Darwin, je ne suis pas sûr. Qu'y a-t-il ici? Oh, événement communautaire, oui je m'en fiche. Je m'en fiche. Oui, carrément. Mais j'ai l'impression que c'est la seule mission qu'on a à faire pour continuer l'histoire. Eh ben écoutez, notre programme de la journée est tout trouvé. On a un petit enlèvement à faire, tranquillement. Donc on va essayer de trouver une petite voiture afin de nous rendre sur le lieu de la mission. Non pas porter, fouiller. On ne sait jamais, on pourrait trouver des choses intéressantes. Je crois que je suis... Je crois que j'ai bien rempli mes accessoires, donc ouais, il n'y a rien d'intéressant pour moi ici. Alors, y a-t-il une voiture qui soit libre? Parce que vous le savez, je n'aime pas voler des voitures. Sauf si c'est une voiture qui appartient à nos ennemis. Donc là, je pourrais prendre celle-là. Mais je vais réquisitionner celle-ci, puisqu'elle est à nous. Écartez-vous, mademoiselle, merci beaucoup. Et donc, nous allons aller sur place. Et il faut que je fasse demi-tour. Pardon. Oh, laissez-nous tranquille, on ne fait que se balader. Dans le pire des cas, s'ils sont toujours là quand on arrive sur le lieu de la mission, on les tue. Et on a réussi à les semer. Très bien. Voilà, c'est bien, il n'y a personne sur la route, ça circule bien. Ça circule très bien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Dégagez. Voilà, attention, hop là, attention. Course poursuite. On a un allié qui est ici. Wow, attention. Oh là là, course poursuite. Mais c'est bon les gars, vous allez vous calmer? Ah mince, du coup j'ai... Mince, je suis allé trop loin. Bon, écoute, c'est bon, il y en a marre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, conduis pas, attention. Olé! Allez, les couteaux. Hop, esquive. Couteau, esquive. J'arrive même plus à lancer le couteau. Oh, j'ai tué le cheval. Je suis navré. Oh, attention. Mais attention. Oh, mais il lui roule pas dessus, malheureux. Allez, plongeons. Non, c'est bon, il est mort. Mon Dieu, ce bazar. Oh, ce bazar. Allez, tu montes ou pas? Non, elle monte pas. Très bien. C'était chaud. C'était méga chaud. Bon, on roule à gauche, soyons civilisés. Oh mon dieu, c'est... Oh, ce bazar. Attendez. Qu'est-ce que...
Ah c'est oui, c'est le cheval, c'est le cadavre du cheval. Effectivement, les couteaux de les dégâts faits au couteau de lancer avec Evie sont beaucoup plus violents. Souvenez-vous, j'avais acheté justement une compétence spécifique à Evie qui fait que non seulement elle peut transporter deux fois plus de couteaux de lancer, mais en plus qui augmente les dégâts faits par ces mêmes couteaux. Donc effectivement, si ça tue un cheval en un coup, c'est assez efficace. Je finis même par me demander si du coup les couteaux de lancer font plus de dégâts que le pistolet pour Evie. Donc nous pénétrons sur le territoire des Blighters. Oh yeah. Voici donc la cible de niveau 6, Anna Abramson. Et nous devons la ramener en vie. Notre voiture c'est... Ah oh bah attendez. Wait. Please wait. Gentlemen. Voilà, son pote est mort, mais ça le perturbe pas plus que ça. Donc voilà, on a déjà notre voiture pour nous enfuir. Non, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. On a donc notre cible qui est ici. Voilà. On a ce monsieur là qui se promène gentiment et qui meurt. Je pense que je peux réussir à me faufiler jusqu'à la cible. Alors, où est-ce qu'elle regarde? D'accord. Non, elle risque de me voir. C'est bon. Voilà. Comme ça, son garde du corps va venir par là. On va le tuer. Voilà. J'avais presque oublié qu'on pouvait siffler. Allez, on se dépêche avant que la cible n'arrive. Allez, hop là, parfait, 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 parfait. On se faufile derrière, on se faufile derrière. On se faufile derrière. Hop là! Enlèvement! Chute! Ouais! Lâchez-moi! N'oblige pas Evie à te faire mal. Silence! Inutile de faire tant de bruit, Miss Abramson. Laissez-moi! Tout allait très bien avant votre arrivée. Je ne sais pas si ces enfants seraient de cet avis. Qu'est-ce que vous en savez? Ah mince! Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu elle. Gagné. La cible s'enfuit, attendez. Attendez madame la cible. Voilà. Voilà. Ah bah c'est pratique hein les couteaux. Eh la cible! Tu reviens là la cible. Voilà. Ouais, effectivement. La voiture a disparu. Oh non mais... Oui encore. La voiture, mais... Oh, cette arnaque! Pas cette fois! Oh, l'arnaque! Oh, l'arnaque! Attendez, c'est... Non, non, oh, purée. Bon, on va devoir voler une voiture. Là, c'est pour une affaire de police, hein, réquisition. Ah, je suis dégoûté. Eh, oh, oh, non, j'en... Non, 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 non. Mademoiselle ou madame Abramson, venez par là. Voilà. Pas de bruit. En route. Oh, c'est pas possible. Allez. Tout le monde descend. On réquisitionne ce véhicule. Voilà. Oh purée, il gêne en plus celui-là. Voilà. Par contre, le véhicule qui disparaît comme ça, juste sous mon nez, c'est pas cool. Ok, d'accord. Il y avait des Blighters avec une cargaison. Ils ont même pas capté que... qu'on était là. Bonne fille. Bonne fille, elle dit ça à la prisonnière ou... ou à la jument? À la jument, je sais, mais c'était pour la blague. Allez. Parfait, nous sommes juste là. Juste là où il faut. Et voilà. Des récompenses, à savoir de l'argent et de l'expérience. Parfait. Bon bah à présent, on va pouvoir se rendre à l'endroit où nous allons effectuer notre mission de l'histoire principale avec Jacob. Parfait, on est tout prêt. Et qu'est-ce que c'est que ça? Escorte de chariot. Non, 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 pas tout de suite. J'ai dit, je fais ce que j'ai dit hein. J'ai dit qu'on ferait la mission principale, on va faire la mission principale, en plus c'est tout près. Certes, il y a un bug Helix pas très loin, mais j'ai la flemme. Là j'ai la flemme, j'ai juste envie de faire la mission, de me tester, parce que vous savez parfois, niveau discrétion, je suis pas très doué.
Et pour être honnête, j'ai bien réussi la mission avec Evie, enfin cette activité avec Evie, principalement parce que sa compétence pour les lancers de couteau est précieuse. Oh, ok. Ah, pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Voilà, messieurs, vous mourrez. Et vous, monsieur, là-bas... aussi, voilà, c'était gratuit. Oh, il est mort misérablement. Donc, on va le fouiller, voilà. Et on va changer tout de suite à Jacob. En plus, c'est pratique parce que j'ai récupéré le couteau de lancer que j'avais utilisé pour le tuer. Voilà. Donc, allez, Jacob, vas-y. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. J'ai volé une voiture. Mais c'est Jacob, il veut s'amuser. Allez, ça doit être la voiture de Madame Hathaway, j'imagine. Hop là, bon alors. Monsieur Fry, je vous avais dit de prendre rendez-vous. J'avais un moment de libre. Heureusement que je vous apprécie. Moteur à combustion interne. 8 petites syllabes synonymes de beaucoup d'argent. Un train doit livrer ses moteurs à Milner. Emparez-vous-en pour moi et il en sera fort contrarié. Oh, il va me falloir un deuxième train. Et je crois que je connais l'homme qu'il me faut. Marché conclu, Monsieur Fry. Heureusement que je vous apprécie, Miss Hathaway. Oh pardon, je crois que j'ai dit Madame Hathaway, c'est Mademoiselle Hathaway. Bon. Très bien, donc on doit intercepter une cargaison. Donc ne tuez aucun policier du convoi. Oh, c'est pas drôle. Quel dommage. Quel dommage. Alors là par contre, non, non, non. Les ennemis vont pas m'embêter. Non, non. Vous monsieur, ne m'embêtez pas. Oh, il est seul. L'idiot. Cet idiot est seul. Allez. Hey Jacob. Toi qui es si bien vêtu, va donc te jeter dans le feu de l'action. Ah, là où, oui, bon, j'ai la flemme. J'ai vraiment totalement la flemme. Je ne sais plus, est-ce que j'ai des... Ouais, j'ai un remède avec Jacob, ok. Le couteau, on ne sait jamais, pour être discret. Oh, ouais, mais les bombes voltaïques, elles tuent. Je crois que les bombes voltaïques tuent. Donc on va pas faire le foufou. Est-ce que ce cheval m'a mordu? Est-ce que ce cheval a foutu un coup de tête ou a mordu Jacob? J'ai l'impression. Je suis pas sûr. Hein. Ah, il y avait une fleur séchée derrière. J'ai pas fait attention. Alors oui, j'essaie de rejoindre un convoi à pied. Mais le convoi va tellement lentement. Ça va être problématique. Ne tuez aucun policier. Très bien. Oups. Pardonnez-moi. Non, non, pardonnez-moi, messieurs, je ne voulais pas perturber le bon déroulement de votre mission. Allez, cette fois-ci, on arrête de rigoler. Pardonnez-moi, voilà. Le convoi s'est un tout petit peu accéléré. Ah non, mince, ça par contre c'est pas cool. Faut pas que je tue de policiers, donc je vais pas essayer de renverser leur voiture. Oh, ils essaient de... Ouh là là, ils essaient de me faire passer par-dessus le pont, là. Alors, on va essayer de les percuter un petit peu quand même, parce qu'ils sont assez gênants. Oh, faut rattraper la voiture qui est devant. Attention, le virage, waouh, stop, embouteillage.
C'est l'épisode des embouteillages là. Oh bah c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Non mais... Jacob! Ça, vite, vite. Ah, libérer, d'accord, libérer. Ah, le libérer. Bah, je peux peut-être voler la voiture, non? Bah, vole la voiture. Jacob, vole la voiture, enfin. Non mais, vole la voiture, Jacob. Voilà, on conduit, très bien. Est-ce que je peux... Non, je... Ah, purée. Oh, stop les gars, stop. Parfait. Il est tombé. C'est qui est dans ce truc là? C'est qui? Oh là là, c'est le bazar. Je suis confus, je ne sais même pas ce qui se passe. Qui est cette personne là dans la voiture là? Voilà, attention au choc. On a tué personne. Allez, on se dépêche. Par contre, j'ai eu qu'un seul remède. Ah là là. Ah, c'est Ned. Ouais, il me semblait bien avoir reconnu sa voix. Parfait, bon. Donc les policiers nous ont lâchés. Vas-y, ma jolie. On peut s'arrêter et libérer ce bon vieux Ned. Non. Voilà. Bon. Tu pourrais au moins dire merci, espèce d'ingrat. Je fais toujours en sorte que ce soit les autres qui me soient redevables. Jamais l'inverse. Je déteste devoir des services. Je peux te laisser ici si tu veux que la police vienne te chercher. Non, c'est trop tard. Emmène-nous loin d'ici. D'accord. Bon bah alors. Non, c'est bon, faut que je le libère là. T'attends quoi de moi, Fry? Qu'est-ce qui te fait croire que je veux quelque chose? Je suis peut-être venu te sauver par bonté d'âme. Viens, je vais te dire ce que j'attends de toi. Oui, c'est bon, j'ai compris pourquoi on avait besoin de Ned. Pour le deuxième train. C'est juste que j'ai pas compris comment il savait que Ned était arrêté. C'est pour ça. J'ai pas trop compris. Oui, ça on le sait pas. Il y a un transport là-dedans. Occupe-toi de faire le transfert. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Très bien. Détachez les wagons de renfort. Attention. Allez, on se dépêche. Hop. Voilà. Badam fam. Alors, le monsieur là, il meurt. Alors, les wagons de renfort, ça va être quoi? On va bien voir. Hein. On va détacher tous les wagons. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Ah, parce que c'est un wagon fermé, d'accord. Et c'est là d'où peuvent venir les renforts qui vont donc venir pour aider les gars qui pourraient sonner l'alerte. Allez, boum. Mademoiselle, monsieur, merci. En vous souhaitant un bon repos éternel. On va se planquer quand même. J'ai dit on va se planquer ici. Qui a dit dépêche-toi? C'est Ned encore qui s'affole là. C'est pas du tout ça que je voulais faire, bon sang. C'est pas du tout lui que je voulais tuer, mais bon, c'est pas très grave. Allez, triple meurtre? Non. Même pas un double. Je suis déçu. Je suis terriblement déçu. Je vais essayer de... Ouais, je vais détacher ça quand même. Hein? Même si ça ne sert à rien, c'est pas un wagon de renfort. Bon, ils sont pas super bien indiqués, mais on les reconnaît quand même. Ce n'est pas ce que je cherche. Ça, c'est le wagon de renfort là, juste devant, c'est celui-là qu'il faut détacher. Oh, parfait. Ils sont trop aimables.
Voilà. Au revoir les renforts. Et voilà. Ah, c'est bon. Détacher le wagon de marchandises, mais je dois me mettre de quel côté? Je sais pas. De ce côté-là, peut-être. Au revoir. Défendre Ned, très bien. Ouais, c'est bon. C'est... Enfin, j'imagine que si j'étais resté devant le train de Ned, aurait rattrapé celui-là. Voilà, parfait. Allez, Ned, j'arrive pour te protéger, mon ami. Allez, on va se mettre auprès de lui. Le moteur à combustion interne. La fin de la voiture à cheval. L'avenir est là, sous nos yeux. L'avenir, il se négocie à quel prix, selon toi ? Je ne compte pas les vendre. Tu vas les remettre à ton contact ? Ne t'en fais pas, tu seras payé. Qui est cette Pearl, au fait ? Depuis quand tu la connais ? C'est une sorte d'associé. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Moteur à combustion interne. Très bien, tous les policiers sont vivants. Bon, pas forcément en pleine santé, vu qu'il y en a qui se sont fait éjecter de leur voiture. Les wagons de renfort ont été détachés, on a une nouvelle canne épée, de l'argent et de l'expérience. Une mission parfaitement accomplie. Bravo Jacob. J'espère que vous n'allez pas trouver ça trop clinquant. On a mis un peu de feuilles d'or ici et là, de la laque sur les boiseries, et on a refait la sellerie. Et qu'est-ce que vous pensez des abat-jours ? C'est très joli. C'est très joli, merci. J'ai oublié son prénom. Merci. Bien, bien, bien. On est de retour là et vous savez ce que ça veut dire. La séquence 5 est terminée normalement. Donc on va passer à la séquence 6. Déjà, première chose. Niveau compétences, c'est... Ouais, c'est pas... Je crois que c'est pas assez. Moi, je voudrais bien avoir... Je vois quelque chose là, une compétence propre à Jacob. Là aussi, défense 3. Je vois. Tir rapide, ouais, ça c'est pratique pour Jacob. Alors, quelle compétence je vais choper en premier ? Défense 3 ou tir rapide 2 ? J'irai plutôt vers défense 3, pour être honnête. Déjà, ça coûte moins cher. Et en plus, j'ai pris pas mal de dégâts lors de la mission que je viens d'effectuer. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ouais, voilà, la défense 2, c'est pour réduire les dégâts à distance. Voilà. Donc, Jacob est niveau 6. On va regarder ce que vaut cette petite canne épée. Voilà. Donc c'est quelle canne épée ? C'est celle-là ou pas ? Ouais, c'était celle-là. Bon, elle est pas plus performante que celle qu'on a maintenant. Peut-être que si on l'améliore... Ouais, ça vaut le coup. Mais bon, 2500 livres pour plus un étourdissement et plus en attaque, c'est peut-être pas génial. Ceci dit, elle est un peu plus jolie, je trouve. J'aime bien cette canne. Je la trouve assez jolie. Ah, ça par contre, ça peut être intéressant. Ah mince. Malheureusement... on n'a pas le niveau requis pour ce point, mais pour ce point. ouais. Je regarde un petit peu, mais ouais, non. Vraiment, cette canne là, c'est une canne qui est très
très intéressante. Là aussi, bon, niveau étourdissement, c'est pas énorme. Mais par contre, cette chose-là en étant améliorée est très intéressante. Ce coucri-là en étant amélioré est super intéressant, plus en attaque et plus en létalité. Je vais peut-être succomber à son charme. Oh, allez, oui, il est tellement beau en plus. Pour Jacob, c'est un joli cadeau pour le récompenser de cette mission. Très bien menée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amélioration de bande. On va finir tranquillement l'épisode là-dessus, hein, bien sûr. Des brutes rooks. Ah, ça peut être bien, mais on n'a pas assez d'argent. Ouais, donc ça, c'est dommage. Des armes pour les alliés, peut-être. Oui, pourquoi pas. Service de livraison. Davantage de tonneaux apparaissant en ville. Répartiteur. Savant fou. D'accord. On débloque le plan pour un nouveau plan pour les bombes voltaïques. Oh, je vais succomber au transport de bière. Allez, on volera de la bière au prochain épisode. Allez, c'est parfait. Et on trinquera. C'est bien. Bon. Écoutez, comme je l'ai dit, j'ai un timing un tout petit peu serré. Donc, au prochain épisode, nous attaquerons la séquence 6. Hein, séquence 6 sur 8. Voilà. Quoique, attendez. On n'a peut-être pas tout à fait terminé. Hein. Il y a peut-être... Ouais, il y a peut-être... C'est la séquence... Attendez, il y en a 8 ou il y en a plus? Il y en a peut-être plus, hein, je dis peut-être des bêtises. On va explorer un tout petit peu le train, histoire de voir ce qu'il y a. On a bien sûr quelques-uns de nos rooks, hein, qui sont dans le train. Wow, un costaud. Comment va cet après-midi, chef? Ça va bien, merci mon ami. Oh, ça joue aux cartes ici. Oh, accéder aux souvenirs. Qu'est-ce donc? Secret, quelle est la cote? Hein? Oh, à chacun, camarade tombé, direct du gauche. Ah d'accord, il y a des... Oui d'accord, c'est là qu'on met nos souvenirs. Mais apparemment, on n'en a pas beaucoup. On n'en a même aucun. On a nos amis qui sont là. Nos braves, on va dire... Oui, nos rooks, hein. J'ai failli dire serviteurs. Nos camarades. On va se ravitailler un petit peu, voilà, on ravitaille tout. Surtout pour les remèdes. Les remèdes, c'est très important. J'ai failli en manquer. Voilà, bon, écoute, on a fait le tour du train. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique. Au prochain épisode, on continue l'histoire et on essaiera, si on a l'occasion de le faire, de voler de la bière. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.